êtes ici à Beyrouth, au centre-ville, on prépare la messe du pape. C'est le dimanche, le 16, à 10h du matin. C'est une messe célébrée par quatre chœurs libanais. On chantera des chants latins, comme le Pater Noster, Celi Enarant Gloriam Dei, et des chants arabes, des chants orthodoxes, des chants arméniens, un peu de tout pour donner l'esprit pour tous les Libanais, tout le monde qui participe ensemble. C'est une chance qui se présente une fois dans la vie. Et on avait l'habitude de regarder les chorales chantées pour le pape. Maintenant, c'est notre tour pour lui chanter. Quatre chorales, chaque chorale est d'un rite différent. Et c'était une occasion, et moi je dirais plus qu'une occasion, c'était une grâce pour nous au Liban de se réunir pour cette occasion, pour la visite du pape. La présence du Saint-Père aide à l'union et à l'unité. Et ça pousse les gens vraiment à s'ouvrir les uns aux autres. Chanter tous ensemble, ça symbolise l'union de tous les chrétiens au Liban. Surtout ici dans le monde arabe, il faut s'unir pour rester ici. Oui. On essaye de trouver un groupe, de former un groupe, d'être toujours ensemble pour réaliser l'Esprit de Dieu. Toujours on cherche cela parce que ça nous donne du goût, ça nous donne du plaisir et c'est toujours prier. Et